Hey, coucou tout le monde, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud en ces jours de canicule, encore une fois. Et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour un tout nouveau let's play. Donc, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Alexandre, Piper, Fanny, Estelle. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne et tous ceux qui ont pas, hein, qui sont là, mais qui s'expriment. Bah, j'ai pas oublié le son. Ah non, c'est bon. Me fais pas peur comme ça, me fais pas peur. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer un tout nouveau let's play où on va ramer sévère hein, quand même. On est parti pour ramer au taquet. Oui, alors j'ai modifié quelques paramètres, justement j'allais vous en parler. Ben, voilà, je voulais savoir si ça avait changé quelque chose. Merci Fanny, tu viens de répondre à ma question, on m'entend mieux. Du coup, par contre, j'ai un peu peur que vous entendiez le ventilateur qu'on n'entendait pas jusque-là. Donc, bah, vous me direz. Je l'ai mis au minimum, mais il faut vraiment que j'ai un petit peu d'air. Voilà, vous me direz. Et puis, ben, on va commencer. Donc, c'est un tout nouveau challenge. Et salut, Kalelia. Pas facile à dire celui-là. Je trouve que le ventilo c'est pareil, on n'entend presque pas. Bon bah merci alors. Du coup je vais le laisser. Ça vous gêne pas. Moi ça m'arrange. Massilia. Du coup, donc c'est un tout nouveau challenge, grosso modo, hein, parce que le point de départ est simple. On n'a rien. Juste un terrain. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Mais on n'a pas de sous, on n'a pas de maison, on n'a rien. Et le but, ça va être de se construire une maison, de trouver un boulot, de fonder une famille. De compléter son aspiration. Mais il y a des impératifs avant de pouvoir faire tout ça, par exemple. Avant de pouvoir construire une maison, il faut donner 500 simflouz d'espèces d'amende. Et il faut avoir une certaine compétence en logique et une certaine compétence. Oh, je ne sais plus c'est quoi le deuxième point, mais je vais regarder. Bricolage, voilà. Il faut avoir un certain nombre de points en bricolage et un certain nombre de points en logique pour pouvoir commencer à construire sa maison. Et il faut avoir une maison à peu près équipée avant de pouvoir trouver un boulot. Donc bref, c'est... Oui, c'est le challenge rag to rich, pardon. Alors, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, j'entends pas le ventilo. Si tu veux le mettre plus fort, je pense que tu peux. Non, on va le laisser sur 1, c'est bien. Je suis sourde comme un pot, alors pas de panique, le ventilo, ok. T'aimes bien commencer avec rien. Ouais, visiblement, en ce moment, c'est mon truc. C'est bon pour moi, je l'entends pas. Sinon, si tu mets le filtre anti. Oh, il y a un filtre anti-bruit sous OBS. Eh ben, je vais aller chercher ça, ça m'intéresse. Et coucou, Mokusei. Du coup, ben voilà. Donc, au début, il va falloir qu'on trouve de l'argent, donc en collectant tout ce qu'on va pouvoir ramasser par terre, en faisant des tableaux et pour pouvoir manger quand même. Et on va encore dormir sur un banc. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dormi sous un banc quand même. Et puis voilà, il va falloir déjà économiser 500 simflouz et puis un peu plus parce qu'après il va falloir la construire la maison. Et puis survivre jusque-là. Donc on va aller dormir au parc d'Oasis Spring. J'ai déjà été faire un petit tour. J'ai vu qu'il y avait des canapés. Alors j'irai pas jusqu'à dire confortable, mais des canapés. Ça suffira. Et puis voilà. Donc je vous présente. Oui, tu vas sur micro clic droit. Non, bah j'irai voir ça après le live. Merci en tout cas pour l'astuce. J'irai jeter un coup d'œil. Donc je vous présente Olivier. Alors si vous êtes un petit peu sur le forum officiel et que vous avez suivi mes histoires que j'ai pas forcément terminées d'ailleurs, je me suis déjà servi de lui pour un appo. Donc je me suis dit que du coup il serait chaud comme la braise là pour recommencer encore pire qu'avant. Donc c'est Olivier, voilà. Et nous allons donc le faire galérer un maximum. Eh ben écoutez, on est parti. Je vous avoue que je suis pas très rassurée. Je pense qu'on va galérer. En plus avec les saisons. Alors comme pour Penny, j'ai commencé au printemps. Hein, je me suis dit comme ça, l'hiver était loin. Et j'ai pris Oasis parce que je sais que le climat est jamais très violent. Voilà. Oui, non, mais mes Sims me détestent de toutes les façons. Je leur rends bien sur certains. Et puis voilà. Eh ben écoutez les gars, on est parti.
Donc, la mission du jour, tant qu'on a encore les barres dans le verre, c'est de trouver de l'argent. Tiens, j'ai même pas vu. Ah, si, c'est bon, il commence en début. Ah oui, j'ai oublié de faire ça. J'ai le droit de désactiver le vieillissement, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, je l'ai pas fait. Je vais y aller tout de suite. Option du jeu. Autre. Non, gameplay, gameplay, gameplay. Espérance de vie. On peut pas désactiver. Âge automatique. Non. Âge automatique, non. Voilà. On est d'accord que j'ai arrêté l'âge, hein? Ok, c'est parti. Donc normalement, il n'y a plus d'âge. Tu me fais penser, Crime, j'ai vérifié un truc sur la crise financière. Et en fait, tu aurais pu vendre les MySims, j'avais enlevé la restriction. Oh, c'est pas très grave, hein. De toute façon, j'en avais déjà vendu un par erreur, donc voilà. Et les autres, je les ai vendus à la fin, c'est pas très très grave. Pas de bébé, de vieux ou de chien massacré encore. Eh non, pas pour l'instant. Pas de vieux, pas de chien, pas d'enfant. C'est la misère. Rien à se mettre sous la dent. Printemps sur Oasis, c'est easy. C'est le reste qui ne l'est pas. Ah bon, on va voir. Tu vas pas pouvoir te servir de donne. Non mais c'est pour ça que j'ai pris un mec. Parce que je me suis dit que sinon, je savais pas qui j'allais prendre pour faire son mari. Et je me suis dit que j'allais encore craquer et prendre donne. Donc je me suis dit non, 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 il faut changer. Prends un homme. Du coup, je sais déjà. J'ai déjà en tête sa future épouse. Voilà. Et non, je vais pas pouvoir me servir de données. Coucou crémeuse, pardon. Pour les enfants, tu vas devoir remettre l'âge. Non, je crois pas. Je peux tout faire en. Ils auront quand même les enfants, si je dis pas de bêtises. Pour bien commencer, fais-lui faire du sport. Tu sais pourquoi je dis ça. Non, alors l'escalade, c'est non. Fais pas d'escalade. Ripdon, on pense à lui. Ouais, il reviendra dans un prochain challenge. Don n'est jamais très loin avec moi, tu sais. Eh ben, allez, on y va. Donc, on va aller récolter un peu tout ce qui passe déjà. Et après, on ira faire un tour. Faut que je trouve un endroit où il y a des chevalets. Et au parc d'Oasis, j'ai vu qu'il y avait une bibliothèque. Donc, on va pouvoir bosser la logique et le. Et le. Oh, merci Alexandre pour l'hébergement. J'espère qu'il aura assez pour la crème solaire, c'est pas gagné. Et là, il débarque en comité d'accueil. Oh, c'est possible qu'on le voit débarquer vu qu'il est à Oasis. De toute façon, on va le croiser. On va le croiser parce qu'on va le croiser. Voilà. Parce que pour tout vous dire, il habite avec la future épouse que j'ai prévue pour Olivier. Donc. Oh, merci pour le follow, mon QC. Sache que tu es le 250e follower de cette chaîne. Félicitations à toi. Voilà, bravo, bravo, bravo. Et merci, 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 surtout. Tu n'auras pas les avantages de l'éducation alors, mais en même temps, on s'en fiche. Hein, quoi que s'il se une piscine dans la canicule, ça lui fera une source chaude, c'est ça. On va avoir une caliente, oui, c'est ça, exactement. Du coup, Mokusai, tu as gagné voilà, une médaille en chocolat pour être la 250e follower de cette chaîne. Bon, on avait arrêté les bêtises et on va aller trouver. Voilà, il me semble que par là, il y a des choses à ramasser. Genre là-dedans, chercher des grenouilles. Ça, on ne peut pas y aller tout de suite. De toute façon, il va aller vivre au parc, hein. Oh, merci, Chiffreman aussi. Merci beaucoup. Bah, du coup, tu es le 251e follower. Bravo à toi aussi. Ah oui, Alexandre, tu t'es abonné trop tôt. Tu n'es pas le 250e. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas un caillou, quoi. Bon, déjà, va chercher des grenouilles. Et moi, je cherche des cailloux. Petit, petit, petit. Et cailloux. Ouh, là aussi, on va chercher, hop, des grenouilles. Même si la médaille va fondre, je suis jaloux. Et la médaille en chocolat, voilà. Ah, mais là, c'est vrai que le chocolat, c'est peut-être pas le bon plan en ce moment, mais bon. Il n'y a pas de cailloux, quoi. Que des machins pour chercher des grenouilles. Mais rien, y a rien à ramasser, pas une fleur, que dalle, walou. Bon, ben on va aller au parc. Quand on aura cherché les grenouilles, on ira au parc. Ah puis c'est loin.
Mais alors, ah oui, je vous ai pas parlé de ses traits. Donc, il adore la nature. Hein, je me suis vu le temps qu'il allait passer dehors. C'était pas bête. Il est romantique. Hein, ça peut aider pour séduire madame. Ouais, Golan, foyer à la pêche. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être y penser. On va le laisser un tout petit peu galérer. Et puis après, on l'enverra à la pêche. Et avec tous mes bits, ouais, bah alors, t'auras une médaille en. En sushi. Je reviens du resto. Je peux te ramener des sushis, il n'y a pas de problème. Combien ça? Allez, on va vendre. Ouais, mes premiers Simflouz. Youhou! Et puis après, on va aller au parc, qui sera notre nouvelle maison pendant un bon moment. Ce qui me fait un petit peu peur là, avec les saisons, c'est l'orage, surtout parce que. Ah, j'ai vu un truc là. Ah, un citronnier pas poussé. C'est l'orage parce que, bon, vu qu'on n'a pas de toit, j'ai peur que. Une médaille en sushi. Mais oui! Une médaille et du riz avec un bout de saumon cru qui s'enroule tout autour. Ah, moi je dis ça peut le faire. Faut juste inventer le concept. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, bah si, ça avait pas popé, c'est tout. J'ai lancé, je suis venue trop vite ou alors je suis passée à côté sans le voir. Ah non, ça avait pas popé hein, il y a 5 minutes. C'est pas possible, hein. Le sushi. Oui, ça risque de puer, c'est vrai. Oh, mais il y a plein de choses qui sont apparues là, le temps que je vous parle, dis donc. Vas-y, creuse, mon petit, creuse. Oh, bah alors peut-être en bas aussi c'est apparu. Attendez, on va aller voir. Voilà, un quartz, très bien. En 6 jours, j'ai pas vu un orage. Ah, bon, bah écoute. Tant mieux, hein. Moi, je suis plutôt pour, hein. Ah, bah oui, c'est ça y était pas, ça, il y a 30 secondes. Oh là là, et. Bon. Allez, vas-y, il est content. Ah, on va devenir riche. Hop. Magnifique. T'inquiète, ça passe, t'as que 5 heures de voyage en train. Oh putain. Ah, l'angoisse dans le train, quoi. Ah, les pauvres gens. Non, bah écoute, le mieux c'est que tu vas manger au sushi et puis t'en prends deux pour moi, quoi. Et ça, c'est quoi? Des tulipes pas mûres. Ça apparaît toujours quand on regarde pas les pierres. Ah bah c'est ça alors. C'est ça. Une capsule, mon Dieu, sera-ce un My Sims? Alors. On va attendre qu'ils viennent déterrer le caillou, là. Et puis, on va partir au parc. Ouais, donc le but, c'est de faire un maximum d'argent et de monter les compétences dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça y est, que c'est ce jeu. J'ai faim avec ces sortes de sushis. Oh, je reviens du resto. Oh, j'y avais jamais été dans ce resto-là. Un japonais tout à volonté. Oh là là, je me suis fait péter le ventre. J'avais tellement de mal après le repas, là, à la digestion. Je me suis demandé si j'allais pouvoir assurer le live. Tellement j'ai mangé comme un petit cochon. Par contre, le sushi, c'est 12 euros. J'en ai que 5. Ah bah ça. Bah écoute, va casser des cailloux. Va casser des cailloux, chercher des grenouilles. Voilà. Je t'envie tellement. Putain, c'était trop bon. Je sors pas d'Oasis, il a fallu que j'achète j'ajoute un établi. Non, bah moi je vais aller à la bibliothèque. Il doit y avoir des livres pour le bricolage. Ouais, il a trouvé un My Sims. Allez. Regardez-moi ça, le début de la fortune. On a déjà 200 Simflouz. Allez, direction le parc. Oui, un Jap à volonté. Alors en fait, il se fait Jap et un peu japonais aussi. Et un peu chinois, pardon. Donc t'as le chinois qui est en buffet tout à volonté. Et le japonais, c'est à volonté aussi, mais c'est à la carte. Donc t'as ta carte et tu te demandes, je voudrais M5, Y12 et S25. Et hop, il t'amène. Et puis 10 minutes après, tu rappelles la dame et tu recommandes et il te les amène et c'est trop bien. Je revends une grenouille à 23 euros. Oula, sans moi, avec le coloc, on en a fait sans arrêt des Chinois à volonté, j'en peux plus. Le Jap à vous. Ah ouais, non, mais je me suis fait. Oh, j'ai bouffé, je vous dis, comme un petit cochon, tellement c'était bon. C'était trop bon! Ah là là,
j'en peux plus. Oh, puis il y avait des cuisses de grenouilles au buffet. Oh là 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 là. C'était pas possible de manger aussi bien et autant. Hein. Alors. Ah, puis il y a un petit coin de pêche, c'est cool. On va aller voir si on peut lire des choses dans la bibliothèque. Oh, le Jap où je vais, la bouffe circule sur un tapis roulant. Oh, oh, c'est la classe. C'est la classe. Alors, ouvrez, lire. Est-ce qu'il y a un truc qui... Ah, il n'y a pas, bordel de merde. Il n'y a pas. J'ai peur qu'à la bibliothèque ce soit pareil. En sachant que je peux rien acheter tant que j'ai pas 4 murs. Hein, et que je peux pas mettre 4 murs tant que j'ai pas atteint la compétence logique et machin là. Le plus dur, hein, c'est d'en trouver un bon. C'est pas facile. Ah, celui-là était bon. Franchement, il était bon. Ouais. Bon, je sais plus quoi faire. J'ai pas envie de rajouter un établi parce que du coup l'établi ça rapporte beaucoup de pognon, c'est trop facile. Elle va faire les poubelles, tiens, ça va t'occuper. Ça va t'occuper. Mais du coup je sais pas comment monter mon bricolage autrement que... Ou alors faut que j'achète un livre. Mais parce que je peux acheter les choses que je peux transporter. Du coup, faudrait que j'achète un livre et... Genre, il n'y avait rien dans la poubelle. Pff, c'est naze. Du coup... Ah, il va pêcher, ça fera des sous. Et puis après, on va aller à la bibliothèque, trouver un ordinateur, s'acheter un livre de logique. Enfin, de bricolage. Et la logique, on va la bosser ici sur les... On va la tester ici. Bah, moi, j'ai payé 18,90, donc je trouve que c'est raisonnable aussi. Non, mais il n'y a aucun problème, vous parlez de ce que vous voulez. Pas de soucis. Mais il est côté touriste, je me méfie. Ah, mais il faut se méfier des attrapes touristes. Excusez-moi, je vois un coup. Wesh, ma blonde, il a... Comment ça va? Depuis tout à l'heure? Non, depuis hier. Oh, je sais plus. Les jours se mélangent dans ma tête. Tiens, d'ailleurs, attendez, je vais faire un petit test pour voir si j'ai configuré un petit bouton pour avoir les règles au cas où. Attendez, hop. Oh, ça marche. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est bio. Bah, ça va bien. Comme je disais avant que t'arrives, je sors du resto japonais. Je me suis fait péter le bide. Et donc, là, on live sur les Sims. J'ai l'impression que j'ai tout le temps le micro devant la gueule quand même. Donc puisqu'il marche mieux, on va... Si vous voulez des dossiers... Non, non, non! Ne faites pas ça, cet homme est un menteur. Il est fourbe et malveillant. Ne lui faites pas confiance. Fais gaffe, t'es en train d'énerver Nightbot. Oui, alors pour la petite info, je connais... Je connais Slane depuis... Oh, ça me fait bizarre de t'appeler Slane. Non, je vais t'appeler Cloud. Je peux pas, tu seras toujours Cloud pour moi. Je connais donc Cloud depuis... au moins 10 ans, non? Facile, hein? Putain. On jouait ensemble à World of Warcraft. On était tous les deux heal. C'était sympathique. Quand tu étais jeune et belle. Parce que maintenant, je suis vieille et moche, c'est ça? Connard, va. Pardon, hein. Excusez-moi pour la grossièreté, mais là, je suis obligée. Hein. Quel boulet, celui-là.
Quel boulet. Rache de chien. Bon. Sinon, on en était où, nous? Il n'arrive pas à pêcher un poisson. Il est aussi con que Penny, en fait. Putain. Bon, bah, tu vas aller apprendre la logique, hein, je te le dis. Hein. Jouer. Du coup, que je regarde vite fait, c'est beau l'amour, ouais. Ouais. C'est pas de l'amour avec Cloud, c'est... Ça va au-delà. C'est... Donc il me faut 5 en bricolage et 3 en logique. Oh mon dieu, elle a réussi à pêcher un poisson. Mon dieu. Allez, arrête de pêcher. Et bonsoir, Creepy. Non, mais... Il fait genre, il m'aime pas, mais en fait, il m'aime bien, Cloud. Un jour, nous nous sommes tapés un fou rire obligé d'arrêter le raid, tout ça à cause de la blague sur un mec, c'est vrai. Donc pour ceux qui connaissent pas World of Warcraft, on part en raid. Donc on part à 10 ou 25 joueurs en même temps, taper le même bonhomme, hein, et pour pouvoir s'entendre sur la stratégie, tout ça, on se retrouve à 10 ou à 25, suivant le type de raid, dans le même chat vocal. Mais comment vous dire, dans le chat vocal, quand t'as 10 ou 25 personnes, faut pas que tout le monde parle en même temps. Donc en général, t'as un raid leader qui parle et toi t'écoutes et machin. Donc t'es pas censé raconter des conneries et t'es pas censé mourir de rire en raid et sur le chat, parce que sinon tu... Bah voilà, t'es obligé de l'arrêter, donc ça nous est déjà arrivé. On se prenait... Enfin, pas toi, pas trop, mais je me suis régulièrement pris des chutes dans la gueule quand même. Genre, chut, toi. Mais c'était marrant, on rigolait bien. C'est bien amusé. C'était tard, on s'amusait bien quand même. On n'était pas toujours très bons, mais on rigolait pas mal. Bon, sinon, lui non plus, il est pas très bon, hein, je vous cache pas. Il est pas très bon. Ouais, il a un point de logique. Allez, plus que deux. T'as les cheveux qui brillent bizarrement quand même, hein. Faudrait faire la pub pour L'Oréal, hein. J'ai quelques fails en vidéo de Crimley. Chut. Ça n'intéresse pas du tout les gens, tu vois. Personne ne répond, ça ne les intéresse pas de voir mes casseroles. Ils jouent pas à World of Warcraft. Avec la nouvelle extension de WoW qui va sortir, tu nous feras des lives dessus. Si, c'est prévu. J'attends la sortie de Battle for Azeroth pour faire des lives. Je pense que d'ailleurs le 14 août, je me mettrai en live pour le lancement. Si ça plante pas, parce que moi chaque fois que j'ai fait des lancements d'extensions, je me suis retrouvée coincée dans un donjon ou bloquée. Donc j'espère qu'ils ont amélioré le truc, parce que sinon je vais me retrouver coincée. Mais si je suis pas coincée, je ferai le lancement. Non, c'est pas Atalia. Non, c'est pas le mail paper. Non. Non, c'est pas la même personne, parce que voilà, on connaissait quelqu'un aussi dont un des rerolls s'appelait Paper. Mais c'est pas lui. Tiens cru, hein. Bon, tu avances, toi, là, parce que... Je suis trop radine pour jouer à WoW. Ah oui, c'est un certain prix. Bon, tu joues plus, là, ça y est. Mais tu le laisses 2 minutes. Allez, mon grand. Allez, plus que 2 points de logique et on pourra aller t'acheter un bouquin de bricolage. T'es content, hein? Hein, t'es content? Avant d'aller dormir sur un banc, parce que tu n'as pas de maison. C'est pas facile tous les jours. Pas de maison, pas de chien, pas de copine, pas d'argent. Je crois pas qu'on va y arriver aujourd'hui au 3, parce qu'il a déjà grave envie de faire pipi, il a la dalle. Il y a un barbecue dans le secteur, c'est par là.
Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aux toilettes. C'est mixte leur truc là ou... Ah, c'est mixte. Je suis jamais moi. Utiliser. C'est vrai. C'est vrai. J'ai botte sur vous. Avec Cloud, ceci dit, parce que Cloud aussi, il bottait, n'est-ce pas? Mais lui, s'est pas fait choper. Moi, oui. Mais c'est pas parce que j'ai botté que je me suis fait, je bottais, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que je me suis fait choper. C'est parce que j'avais vendu mes PO. Et c'est ça que c'est moi, c'était pour ça le ban de 6 mois, mais. Ah, ça veut dire quoi? En fait, comme WoW, ça prend du temps, si tu veux. Il y a des logiciels externes qui font tout ce que tu as envie qu'ils fassent quand t'es pas là. Genre, tu lances le bot et ton personnage, il va cueillir des fleurs, il va casser des cailloux, il va faire des quêtes, il va... ce que tu veux. Ce que tu veux, il fait. Donc, ça te permet de lancer, d'aller faire autre chose, et quand tu reviens, t'as des ressources que t'avais pas en partant, quoi. Et ça, c'est interdit. Donc, moi, je l'ai fait pendant un moment. Et quand j'ai eu plein de sous virtuels, je les ai vendus à un site de chinois contre des vrais sous, pas virtuels. Et je me suis fait choper. Parce que tout ça, c'est interdit. Je dis pas que c'était bien. Mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Je dis pas que c'était bien. Je dis juste que je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais maintenant, je botte plus, hein. Premier juré, je joue. Je joue presque plus aussi, c'est pour ça que je botte pas. Mais je botte plus. Et bonsoir, Perle. Ouais, je suis une grosse rebelle de la vie, moi. Bon, arrête de jouer, toi, va manger. Je l'ai fait. Ah, oh, mais d'un autre côté, à pêcher pendant des heures sur le jeu, quoi. Donc, je lançais le bot, ça pêchait tout seul. C'était pratique. Ah, dossier numéro 2, elle balance à MP l'histoire de cul et photo. Ah non, ça c'est pas vrai. Ça par contre, c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai ça. Non. Non, non, impossible. Impossible. Je suis sûre que je l'ai jamais fait ça. Non, 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 non. Non, non, ça c'est pas vrai. Ça c'est complètement faux. Je vous ai dit, ne croyez pas cet homme, il est fourbe et malveillant. N'importe quoi. Bon, sinon, si on revenait à nos moutons. Ah oh oui, bah ça, de toute façon. Non, mais je l'avoue, hein, moi je le reconnais. Hein. Je suis pas toujours exemplaire non plus, mais. On fait ce qu'on peut. Après, on assume, voilà. Quand on enfreint un règlement et qu'on se fait attraper, bah. Voilà, j'ai été ban 6 mois, ça m'a permis d'arrêter de jouer. Sinon, je pense que j'aurais jamais arrêté. Et vu le temps que j'y passais, il était temps que j'arrête. Donc, ça m'a permis d'arrêter de jouer, de retrouver une vie, de refaire le ménage, de revoir les amis, de lire des livres, de jouer aux Sims, hein. Donc, j'ai aucun regret là-dessus. J'avoue n'avoir payé aucun jeu payant ou des achats in-app sur Android. Ah ouais. Lucky Patcher. Ah d'accord, je connais pas, mais on aime les dossiers secrets. Non mais il raconte n'importe quoi. Le croyez pas. C'est pas vrai. Je faisais pas que l'hymne divin. Je faisais Bubule aussi. Parce que des fois, l'hymne divin, il n'était pas up. Donc arrête de dire des bêtises. N'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous? On va aller à la bibliothèque, je crois. Est-ce qu'il y a une bibliothèque à Ozzy Spring? Suis pas sûre. Lucky Patcher. Lucky? Lucky Patcher? Pas sûr.
Pas sûr. Oui, d'accord, bah j'ai compris, merci. Il n'y a pas de bibliothèque. C'est quoi ça, un musée? T'en fous, bah on va aller ailleurs. Hein. Oui, le cri qu'il doit y en avoir.